Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo consacrée à l'amour. Alors, je viens tout récemment de mettre en ligne un nouveau programme qui s'appelle EFT ADN amoureux, avec une trentaine de protocoles qui couvrent, je dirais, des croyances générales les plus souvent entendues par rapport à cette question du célibat, qu'on n'est toujours pas en couple et que finalement, voilà, les personnes n'arrivent pas à trouver, alors je ne sais pas si on peut appeler ça l'âme sœur ou la connexion des cœurs ou des âmes, enfin chacun va voir l'amour à sa façon. Et donc j'ai couvert, oui, plus d'une trentaine de croyances et de pensées limitantes qui crée vraiment des barrières à cette connexion à l'amour. Et bien évidemment, au fur et à mesure que les personnes m'écrivent et que je réfléchis encore à ce sujet si profond, il me vient d'autres thèmes. Et j'en ai un particulièrement qui m'est venu ce matin. Et plutôt que de le mettre en audio pour le programme, j'ai souhaité, pardon, le partager à tout le monde, enfin, et surtout évidemment à ceux qui se sentent concernés par le fait d'être encore célibataire. Et voilà, donc je vous en dis pas plus. Je vais conduire la ronde EFT de la même façon dont j'ai construit le programme, afin que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, le sujet, l'affirmation est « Je me sens différente et mise à part parce que je ne suis pas en couple. » Alors, je vais dérouler le protocole au féminin. Alors, bien évidemment, si vous êtes un homme, ben, écoutez, n'hésitez pas à dire « Je suis différent et je me sens mis à part. » Voilà, pour moi, c'est plus facile d'utiliser le féminin. Et donc, on est parti. Et avant, en fait, de stimuler le point karaté, vous pouvez commencer à stimuler le point karaté. Et je vais vous demander l'intensité de cette vérité, une vérité, je dirais, intellectuelle, mais aussi une vérité émotionnelle. Sur une échelle de 0 à 10, sachant que 10 est vraiment donc l'intensité la plus élevée de cette croyance ou de ce ressenti, cette sensation d'être différent, d'être mis à part parce que vous êtes célibataire. Voilà, de 0 à 10, vous notez. Et puis, on est parti sur le point karaté. On respire profondément. Même si je me sens différente et mise à part parce que je ne suis pas en couple, je m'aime et je m'accepte. Donc, je vous laisse répéter après moi. Même si je me sens mise à part et même regardée comme un être étrange parce que je ne suis pas en couple, je m'aime et je m'accepte. Même si je peux voir dans le regard désespéré et gêné de mes amis ma situation de célibataire, je m'aime et je me pardonne. Et puis, on va commencer donc sur le sommet du crâne, point numéro 1. Je me sens différente parce que je ne suis pas en couple. Début des sourcils. J'ai l'impression d'être mise à part. Point des yeux. Les gens pensent que j'ai un problème parce que je suis célibataire. Point numéro 4 sous les yeux. Je peux me sentir isolée et même exclue. Point numéro 5 sous le nez. J'en arrive même à douter de ma valeur parce que je ne suis pas en couple. Creux du menton. Je n'aime pas le regard des autres et leurs questions. Je me sens jugée.
Le numéro 7, des clavicules, c'est déjà suffisamment difficile pour moi. Sous la poitrine. Tu n'as toujours personne? Toujours célibataire? Prenez une profonde inspiration sous les bras. Je me sens vraiment incomplète sans partenaire. Et on enchaîne. Ronde numéro 2, sommet du crâne. Je crains d'être vue comme quelqu'un de défectueuse. Numéro 2. Cela me fait penser que quelque chose ne va pas chez moi. Numéro 3. Je me compare constamment aux autres qui sont en couple. Sous les yeux. Cette comparaison me fait me sentir encore plus seule. Numéro 5. Sous le nez. Je ressens une grande frustration de ne pas être en couple. Numéro 6, creux du menton. C'est un ressenti douloureux, parfois à la limite de la nausée. Numéro 7. J'essaie d'y penser le moins possible, évidemment. Sous la poitrine. Mais c'est toujours en trame de fond dans mon cœur et dans mon esprit. Au numéro 9, sous les bras, je me sens comme inadaptée et parfois même laissée pour compte. Prenez une grande inspiration et on continue, on enchaîne. Ça me fait me sentir à part de ne pas être en couple. Numéro 2, j'ai vraiment ce sentiment que les gens pensent que j'ai un problème. Numéro 3, loin des yeux. Mes amis me disent. Tu vas trouver. Mais ça ne m'aide pas vraiment. Sous les yeux. Oh, parfois, je me sens désespérée d'être seule. Sous le nez. Je ne comprends même pas pourquoi je suis toujours sans amour. J'essaie d'y penser le moins possible. Sous la clavicule, je me sens vraiment différente du fait de ne pas être en couple. Cela me fait penser que quelque chose ne va pas chez moi. Prenez une profonde inspiration. Vraiment, je me sens à part. Alors, respirez bien au bout de ces trois rondes successives. Prenez le temps de boire un verre d'eau. Et puis, nous allons enchaîner ensemble avec la méthode Ho Oponopono. Pour celles et ceux qui connaissent le Ho Oponopono, c'est une prière ancestrale hawaïenne de libération, donc des mémoires conscientes et inconscientes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt évidemment toutes les mémoires inconscientes qui sont à l'œuvre en nous, car bien évidemment, hein, toutes les situations que l'on rencontre, que ce soit le célibat ou autre chose, eh bien,
Ce sont des situations qu'on ne choisit pas parfois, hein, bien évidemment, lorsqu'elles sont confrontantes et douloureuses. Alors, nous allons donc enchaîner avec la ronde Oponopono. Et nous allons commencer par dire sur le point sommet du crâne, je suis désolée de croire que je suis différente parce que je ne suis pas en couple. Début des sourcils. Divinité en moi, pardonne-moi de penser que je dois être en couple pour être acceptée. Numéro 3. Mémoire, merci de m'aider à libérer cette croyance limitante. Numéro 4. Mémoire, je vous aime. Et je suis prête à vous laisser partir. Et je demande à l'énergie divine son aide pour la transmutation complète, permanente et définitive de ces mémoires à l'œuvre en moi. En inspiration, je suis désolée de me juger aussi sévèrement pour être célibataire. Numéro 6. Divinité en moi, pardonne-moi de ne pas m'accepter tel que je suis. Numéro 7. Merci de me montrer que ma valeur ne dépend pas de mon statut relationnel. Sur la poitrine, mémoire, je vous aime et je vous libère. Sous les bras, je suis désolée d'avoir laissé cette croyance contrôler ma vie. On enchaîne. Je suis désolée de me sentir isolée et exclue parce que je ne suis pas en couple. Point numéro 2. Divinité, pardonne-moi de croire que je dois être en couple pour être heureuse et acceptée. Merci de m'aider à voir que je suis complète telle que je suis. Mémoire, je vous aime et je vous libère de cette croyance que je suis différente, exclue, isolée parce que je ne suis pas en couple. Je suis désolée de me comparer aux autres et de me sentir inférieure. Divinité en moi, pardonne-moi de ne pas reconnaître ma propre valeur. Numéro 7, merci de me montrer que je suis digne d'amour et d'acceptation.
Mémoire, je vous aime. Et je vous libère en tant que mémoire erronée qui me tient loin de l'amour. Respirez profondément. Voilà, vous pouvez poser votre main sur le cœur. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, je vous invite à faire et refaire cette ronde si cela vous a plus parler, si vous avez ressenti aussi une certaine libération durant ce protocole. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi de partager des ronds de FT sur des sujets différents qui concernent tellement de gens et qui, au fur et à mesure, bah, écoutez, peuvent faire leur travail, leur œuvre petit à petit, si chacun et chacune prend le soin de faire ses rondes de façon régulière. Et puis, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à remplacer mes mots par les vôtres, hein, je le dis toujours, 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 parce que au plus vous serez près de votre vérité et près de vos ressentis, au plus cela fonctionnera. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Au revoir. Alors, oui, pardon, n'hésitez pas, ouais, je ne suis pas une bonne commerciale, mais n'hésitez pas à liker si vous voulez bien, à partager, à commenter. Voilà, cela m'aide aussi pour mon travail sur YouTube. Voilà, merci beaucoup.